Chers amis, là on peut se dire bonjour parce que c'est le tout petit matin, donc le bon et le jour en même temps. Que je vous souhaite plein de souffle, d'un souffle nouveau, de ne plus penser à la veille, même à une mauvaise nuit, dans le cas où vous auriez passé une mauvaise nuit, vous êtes debout, les yeux ouverts, on remercie et on continue. Recherche. La recherche donne le droit à l'erreur, ben oui, qui elle-même donne le droit à la recherche. Heureux, je le suis l'instant où je sens, où je vois l'enfant heureux, lors d'une enfance et d'une toute petite enfance, la plus petite, lorsqu'elle est protégée, ce moment de la vie où les années sont si courtes. Et les heures interminables. Écrire. Toutes les lettres écrites arrivent à leur destination, sauf les baisers que je donne en main propre. Écrire sur de la pierre. J'écris souvent sur de la pierre. Je pense ainsi aux futures générations. Eh oui. Ce qui va rester gravé, c'est la signification même du verbe écrire. Graver, tracer, laisser une marque. Mais sincèrement, au fond de moi, j'ai jamais écrit pour être lu. Mais j'ai toujours écrit pour ne pas crier. Si j'avais écrit pour être lu, j'aurais pas écrit une ligne. Entendu peut-être. Eh oui. Et j'écris aussi pour une autre raison. Parce que plus personne ne lit. Voilà. Écrire. Ben non. Je n'écris pas pour être lu. Écoutez. Qui sait? Entendu. Écrire de l'encre, une plume, un univers tout entier devant soi. Les yeux fermés. Toujours écrire. J'ai longtemps écrit pour ne plus crier. À présent, c'est aussi pour... Ah oui, ne plus parler. Assez différent. Je vous parle pas, je vous consulte. Écrire amour, écrire une lettre d'amour, et ce feu, cette flamme incandescente qui brûle partout, sauf la feuille de papier. Toujours écrire, j'écris surtout pour me parler lorsque je veux dire quelque chose à mon oreille. Une manière, bah oui, d'écouter mon oreille. C'est une bonne manière d'écrire. Le passé. Si on ne peut plus écrire le passé, on peut cependant en parler par écrit. Être à la ressemblance. Même si je ressemble quelque peu à mes parents. Je ressemble encore plus à ce que j'écris, surtout quand l'écriture fait de nous un témoin de notre temps. Bon réveil sur Métifta et diffusez, diffusez, il en restera toujours quelque chose de vous, car Métifta, c'est vous, c'est votre chaîne. Excellente journée. Quel est le temps aujourd'hui? Pluvieux. Je suis désolé, parfois je vous annonce un peu des orages intermittents, mais bon, vous savez, vous êtes d'un côté de la montagne, il y a un orage, de l'autre côté, il n'y en a pas. Le problème, c'est que je me trouve parfois du côté de la montagne où il y a de l'orage, et vous, vous vous trouvez de l'autre côté où il n'y en a pas.
Alors, si il vous reste encore un petit peu de soleil, n'hésitez pas. Demandez-lui. Change un peu de temps. Ben oui, parce que je ne peux pas à chaque fois annoncer du mauvais temps. Bonne journée.